Sommaire. Essayant d'arriver tous les jours, et quels seront les caractères? L'essentiel du volume qui ne se ressemble plus. Les anciens ne mettaient pas les champignons au plus près du sol, ne pouvant plus que te dire il. Au ras du sol pour quelques jours, quelques semaines, la chute dans la passion ombellifère veut dire, lorsqu'on l'approche en train, la pluie lissait ce creux dans le sol humide, les doigts plantés dans le jardin. On distingue ordinairement, on peut les classer. La pelouse est un drap à fleurs. Il est aussi des germes dormants pour nous protéger de la pluie. Les phrases que nous échangions, le mouvement de se pencher en avant, cru en chambre d'isolement, sans contact avec la lumière, toi, si petit. Le pellicule, il serait là à répéter le mot « feuille », le parc cette fois soumis à l'examen contrastif, on préférera, lorsqu'un habitant fait acte 2, certains spécimens de l'analogie. Il pleut à verse, les façades ruissellent le haut de la butte sur la langue qui ne veut pas disparaître. Feuille. Une feuille. Essayant d'arriver tous les jours à 5 heures, même par temps de pluie, dans ce parc de plus en plus vaste où tu ne m'attends pas, un après-midi de la mi-novembre, le bas du pantalon déjà mordu de boue, d'une allée l'autre, l'herbe collée aux semelles, nous marchions le long du bâtiment 19e, tout au bord de la clôture jusqu'au talus en contrebas, des unités habitées où, un peu à l'écart, les chênes et les marronniers disposés en triangle laissaient voir sous le mucus de feuilles pourries à leurs pieds une petite troupe de bolets éclos la veille. Nous observions ramasser d'un côté les plus délicats qu'un pied gracile tenait à peine attaché au sol, et puis un autre, sensiblement plus épais et protégé en surface par une gelée translucide. Moins d'une heure après mon arrivée, un filet de lumière rase, presque à l'horizontale, fait s'étirer très mince d'autres filaments, comme si la pluie s'élevait désormais vers les cimes, sur fond jaune. M'en souvenant, je prends appui sur un tronc d'arbre. Et quels seront les caractères de ces sortes de plantes, sinon d'être dans toutes leurs parties d'une substance uniforme, mollasse, lorsqu'elles sont dans leur état de fraîcheur charnue, facile à se rompre, aussi prompte à venir qu'elles sont de peu de durée, et capable, lorsqu'elles sont sèches, de reprendre leur forme et leur volume naturel, si on les trempe dans quelques liqueurs dont elles s'imbibent. Caractères qui tous pourront se comprendre sous le nom de plantes fongueuses, outre lesquelles elles se font connaître, à l'extérieur, par une figure si singulière que, n'ayant ni branches, ni feuilles, ni de fleurs pour la plupart, elles ne ressemblent ni à aucune herbe, ni à aucun arbre. Vert-feuille. Prolifération de la couleur identique. L'essentiel du volume n'est pas visible, les filaments bourgeonnant par petits chapelets réguliers dans le fumier ou en milieu pour eux. Les ferments véhiculés par l'air environnant sont activés par des organismes microscopiques dans un processus comparable à celui de la digestion et qui, comme lui, s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Les matières ainsi constituées prennent leur accroissement de la réduction progressive des chairs dont elles se sustentent, qu'elles défont, et ramènent aux formes les plus simples de la chimie minérale, méditant pour leurs éléments un nouvel usage. Qui ne se ressemble plus, à qui plus rien ne ressemble que par contact et par manière de parler. Toutes sortes de feuilles, d'automne, d'hiver, décidues. Les anciens ne mettaient pas les champignons au rang des plantes, un caractère de la taxinomie, comme on voudrait accroître l'intensité de la couleur par l'empilement des objets colorés, par transparence, deux feuilles plus vertes qu'une, et qu'à l'extrémité de la métonymie se tient le discours de savoir, réticulé. Ce n'est pas tout encore. Les végétaux eux-mêmes, et jusque à leur moindre partie,
ne sont qu'un tissu d'animaux, depuis le champignon jusqu'à l'orme, depuis la mousse jusqu'au sapin, depuis le lichen jusqu'au chêne, tout n'est qu'animalcule et qu'être sentant. Certains deviendront comestibles, d'autres, dociles à l'imagination, portent le nom de peurs enfantines, ammonites. Au plus près du sol, les filaments se démultiplient à une vitesse extraordinaire. L'œil n'est plus capable de percevoir les séquences qui composent ces bibliothèques de fractales souterraines, je pense, l'automne et la saison magnifique pleine d'efflorescence. Dans les fougères, une explosion d'odeur ultime prend soudain à la gorge. Les derniers nés de la reproduction végétale, ignorant tout de la descendance, d'une générosité spectaculaire avant l'hiver. Sans détour par la généalogie, le moindre spore se compose-t-il de corps sensés ? Réticulés, par la montée subite dans leur moindre partie. Ne pouvant plus que te dire « il », dans la langue, la disparition du sujet est instantanée. Au ras du sol, ce qui semblait plan apparaît incurvé dans la ligne du vallon, et ce qui, vu d'en haut, brillait à la manière du mica, est une herbe très fine, pailletée de rosée. Accroupi à sa hauteur, on est guidé par une odeur intense et verte comme celle du figuier. Incurvée, patiente, réticulée, se succédant les unes aux autres. Pour quelques jours, quelques semaines, dans ce parc, tu étais celui qui demeure et j'étais celui qui arrive autant que possible à la même heure, bien que jamais attendu. La chute des atomes crochus, sans ordre préétabli mais en pan incliné, annonce l'inamène à la naissance des mondes. Par quel assemblage se recycle azote, oxygène, carbone ? Dans ce petit monde peuplé d'une multitude d'êtres organisés, appelés à se succéder dans toute la durée des siècles, cette présence n'est-elle donc qu'affaire de configuration ? Sous quelle forme reparaissent ces vies minuscules, sur une terre moissonnée par l'orage où déjà tu ne te ressembles plus ? Même en rêve, nous protéger de la pluie. Sous les feuilles, feuilles. Dans la passion du collectionneur, la variété cède à la variante. Alors seulement, ce que l'on croyait une série de semblables révèle sa nature distinctive d'infinis nuanciers. Nous commençons à voir ce qui, dispersé, semblait vaguement analogue, bleuté, bleu noir, gris bleu d'huître, bleu d'aile d'insecte, presque vert, sous l'effet de l'oxydation qui guide la traversée du spectre de la lumière. Ombellifère veut dire « qui porte des ombelles », selon le mode d'inflorescence en parasol, et on voit nettement toutes les lignes se rejoindre au même point central. Verte. Patiente, sous les phrases souterraines. Lorsqu'on l'approche en train, la région du parc se dessine encore aujourd'hui après le virage de Nogent, et on aperçoit la montée, le triangle des arbres, les pavillons, dont je n'avais pas remarqué à l'époque l'agencement militaire. En circulant dans l'espace laissé libre entre les bâtiments, il nous semblait semer sans succession. J'hésite, la sonnerie des portières retentissant, à descendre une nouvelle fois voir où tu n'es pas. La destination se dérobe. La pluie lissait le pavé sur le seuil et remplissait les flaques, qui deviendraient à la première éclaircie miroir pour les nuages et les oiseaux. Par un jour de beau temps, nous l'avions vu aussi. La lumière escarpait ton visage. Verte, plus encore. Feuille, feuille. Ce creux dans le sol humide serait ce qui reste de tu. Mais alors, à plus forte raison, c'est moi qui disparais du parc, et il n'y a plus personne pour observer leur germination. Les doigts plantés dans le jardin, ils verdiront, deviendront branches ou feuilles, les doigts en terre, cueillir des champignons. On distingue ordinairement la théorie des enveloppements de celle de la dissémination. À l'une,
les différents ordres d'infiniment petits abîmés les uns dans les autres. Dans la distance, le soleil pénètre l'œil de l'animal sous la forme d'une infinité de particules lumineuses. À l'autre, les joies de la dispersion, dans les vastes et nombreux magasins de la nature. Un actif, lequel, opère la dissolution des corps mixtes en d'autres corps plus simples pour aboutir au corpuscule, plus infime que la graine ou le germe. Que retient-il des propriétés qui furent les siennes ? On, le sol, le fomente, on le fait croître. Il se recycle morille à l'abri du soleil, agarique en plaine, cèpe sous bois de conifères. La promptitude de l'éclosion étonne, très loin des rayons, sous les trembles, les lys, et le livre de la nature qui ne se laisse lire dans aucune langue, si bien qu'on renoncera peut-être à l'écrire. Par le passé sans détour, ta couleur a pris ce qui, tout ce qui entre en contact de par toi, je qui ne veux pas disparaître, cette amertume peut parler avec sur la langue même. À présent que nous doutions de cela, et si c'était dans le souvenir, où en rêve, en alternance, et Paris et des champs étendus de maisons s'ouvrent tout au bout par bouquets, butent sur le haut d'un panorama aussi petit qu'il serait le surprenant avec une parsemée. On peut les classer d'après leur station sous les plantes ou leur organisation propre. La connaissance par le proche, lichen, levure. Comme eux, les champignons sont dénués de tiges, de branches et de feuilles. Comme eux, ils naissent et se nourrissent sur des troncs d'arbres, sur des morceaux de bois pourris et sur des parties de toutes sortes de plantes réduites en fumier. Ils leur ressemblent par la promptitude avec laquelle ils croissent, et par la facilité que la plupart ont à se sécher et de reprendre ensuite leur première forme lorsqu'on les plonge dans l'eau. Il y a enfin, entre les uns et les autres, une manière presque uniforme de produire leurs graines. La pelouse est un drap à fleurs. Le visage qui y est enfoui n'est déjà plus un visage s'il se part du motif hortensia, renoncule, ou selon la saison branche de lilas odorant, blason, où le discernement s'épuise. Le plan d'un jour pourrait, patience, en retracer les phrases souterraines. Seul parmi les monuments décomposés et une façade archéologue menace de revenir se dissoudre, il pleut silice averse et les premiers calcaires à leur état ruissellent. Le modèle de reproduction proliférant est-il syntaxique ? Non pas. Mais l'analogie ne peut plus te sauver de jeu. Il est aussi des germes dormants qui ne trouveront à s'épanouir qu'à la faveur d'une pluie tiède, d'une nature très particulière et qui, peut-être, ne viendra pas du tout. Je fus une fois tenté de le mettre en culture, mais à cet instant précis, l'infusion attendue prend une teinte verdâtre qui ne vaut rien de bon. Pour nous protéger de la pluie, nous aurions pu improviser un abri sous l'auvent. Là, les murs venaient d'être repeints à neuf, ici le plafond fut, il faut encore repartir plus loin. À l'abri de l'eau, des suintements, de la vie microscopique qui fourmille en deçà, aucune élytre ni branche ne se reflète contre la vitre. Les contours de ce qui absorbe la lumière et se nourrit de l'humidité ambiante. Lorsqu'on tente notamment de reconstituer leur partie avec les plantes, par contraste avec d'autres vivants, comment décrire leur accroissement par comparaison ? Se peut-il qu'on ne sache traiter les fonctionnalités que des orchidées comme des plantes plus évoluées ? Bien des végétaux qui ressemblent plutôt à des animaux ont cette faculté, mais ils se nourrissent d'autres organismes qu'on retrouve dans une montée subite de respiration. D'ailleurs, l'indice qu'on se laisse abuser par la présence de mélanine orange vif ou de chlorophylle violette, dans l'espoir que certains spécimens développent la vie, sera parfois rendu visible par le mode d'observation dont l'œil nu ignore tout. Des espèces de tissus vivants, à pigmentation vert sombre, comme il en faut de longues heures durant, qui trouvent peut-être de la couleur, et leur mode de prolifération n'est pas de ceux qui sont à garder. Cela te sait, surtout lorsqu'il l'intervalle est perceptible
le plus rapidement possible, mais pour que l'autre soit remplacé par un acte de disparaître et de même provenance, ce fait n'est pas un habitant. Les phrases que nous échangions, désormais soumises à une force de dispersion considérable, qui les contraint à s'établir bien au-delà des limites habituelles de leur espace migratoire, ne se retrouvent plus désormais qu'à une grande distance de la surface de la Terre, parmi les mots décomposés et les civilisations enfouies. Depuis, elles bourgeonnent aussi. Le mouvement de se pencher en avant pour cueillir ou ramasser quelque chose, à angle droit, devant les façades vertes de gris et le terrain pentu juste au-dessous, c'est le mien. L'odeur bleuâtre de ceux qui, les bords sont moelleux et les lamelles étant en dedans, sont demeurés trop longtemps dans la durée épaissie facilement. Mais ceux qui ont poussé un par un, point trop, et sont de taille contraire, ont développé la nuit anisée et dégagent d'assez grosses taches au-dessus de la terre saturée de consistance. Ils se disent, au blanc, à peu près ferme, au parfum de châtaigne et se rompant légèrement par le pellicule, on préférera des brins. Ils en ont. Seulement quelques heures de vie. Parfois, leur durée est fonction de la qualité de l'observation. Elle tient au plus ou moins de temps produit à la surface mousseuse de l'esprit. L'effet luisant augmente ici, là le nombre hésite, et la difficulté se décuple à mesure, sans doute, que le nom réfléchit la lumière. Jaune, brun moyen et jaune rouge, aucun de leurs points contrastifs n'a plus de fait à désigner que l'examen leur tire sur la gauche, pas de terme, on est soumis à la réfraction du venir. Cru en chambre d'isolement, sans contact avec la lumière, la plupart sont à l'âge adulte d'une blancheur immaculée, privée de toute couleur. D'insensibles mouvements continus font douter si l'on atteint la limite de la vie animale. On bascule dans le règne des microzoaires. Uniforme et progressive, la chaleur qui leur est appliquée n'agit pas à la manière d'un processus de cuisson, mais plutôt comme un agent de fermentation. Parce qu'ils se corrompent facilement, on les soupçonne de tendre à la putréfaction, à la moindre éclosion hors du charnier natal. Toi, si petit, dans les branches d'un tilleul, ou de profil ramassé dans l'herbe un trèfle aperçu de haut, toi dans une grotte d'eau sur l'arbre, toi dans une goutte de sperme, infinitésimal, non encore existant, sans doute aujourd'hui, une semence qui ne présente aucun des caractères de l'esprit, te parcourt et te multiplie. Proposition en A. L'inaltérable n'est pas simple et ce tu, cette fois, est venu. L'ancienne miniature provisoire en aluminium étant devenue trop difficile à dupliquer, celle-ci, en bois, qui reçoit désormais plus d'habitants en une année que le complexe rectangulaire de la cité d'origine, semble préférable. Pour éviter toute déperdition des suffrages par quartier, on a regroupé les extérieurs à identifier et encore ajouté un parc neuf dont la chaleur ne correspond qu'au nord-ouest des excroissances. La solution consistant à isoler ou non les dernières fenêtres mesure à son tour l'unité en cause. Et les « ces affections » qui s'ouvrent à la section se sont-ils. Le pédicule, détaché délicatement avec l'ongle en sorte de ne pas endommager le pied, sous peine de confusion mortelle, livre sa double nature ligneuse et fongueuse. Il suffirait d'un rien, la chaleur de la paume, une pression un tout petit peu trop forte, pour le faire disparaître, et les taux apparus s'affaissent le plus vite. Sur ce critère, nous les croyons de la classe des pavots et des coquelicots, peapotch en langue étrangère. Le passage de l'éclosion au ratatinement s'opère en l'espace d'une seule journée. Il serait là le nom serein de la putréfaction des corps, dans l'humus, l'alvéole et les souches, une génération animale spontanée. Dans leur manière de s'accroître sur des corps étrangers, voire les uns sur les autres, ils se mettent à leur ressembler si fort qu'ils confondent leur structure avec l'entrelac des spores
et les racines. Cette page prend le mot « corps » à répéter, qui feuille sur et se densifie. Qu'est-ce ? Racines dans leur manière si spontanée de se ressembler, là, dans l'entrelac des souches et des corps les uns sur les autres, d'accroître les spores de la putréfaction ? Qu'ils confondent le, ils se mettent ta, nom des corps étrangers et leur structure d'alvéole, voire l'humus, serein, sur leur génération animale. L'une serait avec leur fort, il. À répéter le mot feuille, qu'est-ce qui se densifie sur cette page et prend corps ? Le parc à son tour se mesure à ses excroissances. On a encore ajouté une unité l'année dernière qui correspond à la section nord-ouest, un complexe rectangulaire neuf, en bois et en aluminium, dont les fenêtres ne s'ouvrent que de l'extérieur. Pour éviter toute déperdition de chaleur, les habitants, provisoires ou non, sont regroupés par quartier d'origine, solution qui reçoit désormais plus de suffrages que l'ancienne, consistant à isoler les affections en cause. Celle-ci étant devenue trop difficile à identifier, il semble préférable de dupliquer la cité en miniature. Journée ratatinement trop forte de l'espace suffirait pour endommager l'ongle, la paume, la langue fongueuse, dessous le pied d'un rien. Il, détachez le au plus vite éclosion de passage mortel pavot. L'en sorte le ne croyons pas peine des deux livres sur ce taux disparaître délicatement un. Une chaleur de seule confusion, et les un tout petit pipotch, apparu en double d'une pression ligneuse peu coquelicot, nous les affestent en étrangère avec sa classe, et là, de le faire des critères pellicules, s'opère le nature. De profil, ou toi existant, non dans un trèfle encore sans doute si aucun esprit multiplie de toi, herbe le ne d'en goutte dans une goutte de branche le de haut ramassé infinitésimal arbre. Aujourd'hui petit, dans d'eau semence d'une qui aperçut d'un tilleul sur les caractères de des parcours à présent sperme et dans une de toi. Cette fois, tu en es venu à l'inaltérable et ce n'est pas simple proposition. Soumis à l'examen contrastif, ici le jaune est plus luisant, là il tire sur le brun, et la surface mousseuse réfléchit moins la lumière, plus à gauche on hésite à désigner l'effet produit de jaune ou de rouge, et le nom de leur moyen terme n'a pas le temps de venir à l'esprit. Sans aucun doute, les points de réfraction se décuplent à mesure que leur nombre augmente. La difficulté tient au fait que la qualité de l'observation est fonction de leur durée de vie. Parfois quelques heures seulement. Des mouvements d'une progressive immaculée, en couleur du natal, crue toute microzoaire, sont dans le règne uniforme et de la blancheur contact. À la limite, on nage la plupart sans manière moindre, d'insensibles privées chambres de fermentation, appliquées qui, animal, bascule charnier. Hors éclosion toute de la lumière, la chaleur processus cuisson n'agit pas. Facilement, l'isolement continu leur aigu sans douter s'avec la vie corrompe, parce qu'on soupçonne plutôt l'agent putréfaction atteint. Ils font comme si là, mais là, à un adulte de l'étendre au-delà. Le mien de ramasser façade à angle gris, de devance quelque chose ou cueillir juste pour mouvement pentu. C'est le droit et le terrain vert en dessous ou les hauts penchés avant. On préférera, disent-ils, ceux qui ont poussé dans la durée de la nuit. Point trop gros, à peu près de la taille d'une châtaigne. Ils sont blancs par-dessus, mais ont les lamelles et le pellicule brun, de consistance assez ferme, se rompant facilement, moelleux en dedans et au parfum légèrement anisé. Au contraire de ceux qui, étant demeurés trop longtemps en terre, se sont épaissis, ont développé des taches bleuâtres par les bords et dégagent une odeur saturée. Lorsqu'un habitant fait acte de disparaître, il est remplacé par un autre de même provenance, et ce le plus rapidement possible, pour que surtout l'intervalle ne soit pas perceptible, mais cela tu le sais.
depuis les limites des habituelles phrases de migratoire à considérable, bien les contraint parmi grande distance de surface-espace. Une civilisation de leur décomposée qui désormais bourgeonne, désormais, elle aussi, ailée à la terre de dispersion soumise à mots que nous, les enfouis, plus qu'une, échangions. La force de s'établir au-delà se retrouve une. Nous aurions là lumière ambiante, de pluie sous contour de l'eau. Abri, pour nous, la branche, abri les litres, plafond, plus vitres improvisées à neuf. Il faut ici vie encore. Qui le pu se reflète contre les murs, plus loin de là, et se nourrit des uns les suintements. En deçà, l'humidité microscopique fuit l'eau vent qui absorbe l'aucune de ce qui fourmille. Ni ne la repeint d'être protégée, venait de repartir à. Certains spécimens sont gardés en observation de longues heures durant, dans l'espoir peut-être que leur mode de prolifération sera rendu visible à l'œil nu. Ceux dont le mode de vie ignore tout de la respiration. Il ne faut pas se laisser abuser par la couleur vert sombre qu'ils développent parfois et qui n'est pas indice de la présence de chlorophylle. On trouve d'ailleurs des espèces à pigmentation orange vif ou violette, comme une montée subite de mélanine, mais se nourrissent de tissus traités par d'autres organismes vivants qui ressemblent plutôt à des animaux qu'à des plantes, bien qu'on retrouve cette faculté dans des végétaux plus évolués comme les orchidées. Comment se peut-il qu'on ne sache décrire leur accroissement que par comparaison avec d'autres vivants, notamment par contraste avec les plantes, lorsqu'on tente de reconstituer les fonctionnalités de leurs parties. De l'analogie non plus, je ne peux pas te sauver, mais le modèle de reproduction syntaxique, est-il proliférant ? Tiède, ils trouveront à cet instant très attendu épanouir une fois la faveur du tout dormant. L'infusion d'une pluie de germes verdâtres est peut-être aussi particulière à qu'une qui ne viendra pas. Nature, culture, précis, mais des qui et qui ne vaut rien de bon, j'en prends une teinte à tenter de se le mettre en fût. L'épuise blason de saison s'y enfouit à fleurs de visage, branches, déjà, s'il là le n'est plus se part odorant du visaga, où discerne le motif qui ment, renoncia, ja, nel, ilul, pelousin, drou, sac, le long, n'est une hortense. Il peut averse. Les façades ruissellent, menacent de se dissoudre et de revenir à leur premier état, silice, calcaire, parmi les phrases décomposées et les monuments souterrains. Seule une patience archéologue pourrait un jour en retracer le plan. Le haut de la butte s'ouvre sur un panorama surprenant, avec une étendue parsemée de maisons par bouquets et des champs en alternance et paris tout au bout, aussi petites qu'elles le seraient en rêve ou dans le souvenir. Et si c'était de cela que nous doutions à présent ? On peut l'icten classer les d'après Porsche Porpora Revue Organisation Stance, leur plantions sous les pas, le thé connaît sous l'heure. Cotrons d'armes breux et sortes d'enfumés réduits en i, sondés de nuées, d'aime, leur toutes de toutes parts fuligent et par plus facilité se cils et leur et de leurs résidus secs resarrasinés, de la l'eau pomme ils nissent aux promptiféraires avec lesquels s'essemblent et de p elle itude boisante coraux sur d'ensuite qu'elle roississe la part et e, n sur des e des MDR pourri, reperdre brugnonne de plonge dans l'anche à ce grenet chaumière, lorsqu'on fit nôtre en premier, et ses maniformes à un là, ne l'est presque produire et en net lignal haute dent. Cagaric en plume, sous conicèdre mou, ce doigt de fièvre infinimé dans d'autres. Ah, les joies, dure théorie que plus s'implime, petit tragasin faune. Long, ont les distances sous-sol acumène d'altre russul vasteleil, quel ne décrire. Cropion, on le fit roître, mât et ancle frôlé qu'un frige le haut. Ulcéré l'amble en laisse, l'animal sous propromteur en octre rixte, apatise ctif, et riété noreuse for l'infinity, draine abdominable partuscule sienne.
Au menu, noué fou, draperge du Sillon, ottine en âtre de l'Inez, agaillon rude et morillon d'Oran. Limité, drape, à routir line X par litre emblème, te rature et capsule, le lait, la luée, tonne d'encre disséfable, l'aimable d'Ilion, d'Erel, d'inanition, l'œil de Styx bien né, trempe, où le sien racle, le lyre des sens, sous répuscule d'éclosion, les iniveloppes dancelles, lente en renouée d'île, kicking down and lullaby. Même avec cette amertume sur la langue qui ne veut pas disparaître, je peux parler de toi par tout ce qui entre en contact, ce qui a pris ta couleur, sans détour par le passé. M'en souvenant, elle ne ressemble ni à aucune herbe, ni à aucun arbre. Méditant pour leurs éléments un nouvel usage, par manière de parler le nom de peurs enfantines. Ammonite, le moindre corps se compose-t-il de corps sensés ? La disparition du sujet est instantanée. Comme celle du figuier, bien que jamais attendue. Tu ne te ressembles plus ? L'oxydation qui guide la traversée du spectre de la lumière voit nettement toutes les lignes se rejoindre au même point central. La destination se dérobe, ton visage, des champignons, si bien qu'on renoncera peut-être à l'écrire. Leurs graines, où le discernement s'épuise, qui ne vaut rien de bon et se nourrit de l'humidité ambiante, depuis, elles bourgeonnent aussi, juste dessous. C'est le mien. Hors du charnier natal, une semence qui ne présente aucun des caractères de l'esprit te parcourt et te multiplie. En l'espace d'une seule journée, l'entrelac des spores et des racines se densifie sur cette page et prend corps en miniature. Ce n'est pas simple proposition, parfois quelques heures seulement. Une odeur saturée, tu le sais. Lorsqu'on tente de reconstituer les fonctionnalités de leur partie, le modèle de reproduction syntaxique. Est-il proliférant ? Un jour, en retracer le plan. De cela que nous doutions à présent, sans détour par le passé.